Donc. Coucou les filles, regardez où je suis. Est-ce que vous m'entendez bien? Parce qu'en fait j'ai mis l'oreillette et je ne sais pas si c'est mieux avec l'oreillette ou pas. Comme je vais rentrer dans le magasin, ce serait dommage que vous entendiez pas. Coucou, salut Sandra, salut Amandine. Donc là je suis dehors juste devant le magasin et je vais vous emmener avec moi à l'intérieur. Donc, je vous montre l'enseigne. Donc, vous voyez une très jolie enseigne. Alors, vous voyez le petit chat à côté de l'enseigne. En fait, c'est parce qu'au tout début, Emmanuel, donc de Emmanuel Création, il a commencé par coudre et vendre des cale-portes en forme de chat dans plein de magasins, torchons et carreaux et tout ça. Donc là, je rentre dans le magasin. Donc, vous voyez, il est super grand, le magasin. Donc là, on commence par les tissus enduits. Donc on est à Libourne, au magasin d'Emmanuel Création. Et vous voyez, c'est un très très grand magasin de tissus. Coucou créatif, coucou les filles, ravi que vous soyez là. Donc je suis en train de vous montrer le magasin d'Emmanuel Création à Libourne. Donc en fait ce magasin il est particulier parce que Emmanuel en fait il présente des tissus mais il vend aussi également les produits finis qu'il fait faire lui-même avec les tissus sur place à son atelier. Donc je vous montre le genre de produits qu'il vend. Donc voilà, Emmanuel, il fait des sacs, il fait des trousses. Comme ça, les clientes qui ne sont pas couturières peuvent aussi trouver leur bonheur. Il y en a pour tous les goûts. Et à chaque fois qu'il fait quelque chose, c'est avec des tissus qu'il vend en magasin. Donc l'idée du concept, elle est géniale, en fait. Donc il y a pas mal de merceries, beaucoup de boutons. Oui, c'est sympa le concept. Hein. Donc c'est Emmanuel Création qui fait ça. Et donc Emmanuel, il vend le tissu d'ameublement, il vend le tissu d'habillement et il vend aussi les produits finis. Donc il y a plein de jolis tissus. C'est assez grand. Bon, je peux pas tout vous montrer trop lentement, mais après n'hésitez pas à mettre en commentaire s'il y a des coins que vous voulez revoir, je vous montrerai. Et quand je vous parlais de création sur mesure et qui fait tout sur place, vous voyez, au fond du magasin, il a un coin avec des machines professionnelles, voilà, pour coudre tout ce que vous avez vu et qui vend en produits finis. Donc il y a les sacs, les trousses, les coussins. Donc je vous emmène voir toujours au rayon ameublement. Donc il fait aussi des petits tabliers qu'il brode lui-même, il les vend. Et là, on a l'espace coussin. Donc les coussins, ils sont faits aussi ici, sur mesure et en fonction de ce que veulent les clients. Donc ensuite, je vous montre son rayon habillement. Coucou Dominique, salut, ravi que vous soyez là les filles. Regardez-moi ça, un rayon habillement super joli. Alors il alterne en fait les tissus, hein, qui sont triés par couleur et qui sont vraiment super chouettes. Et entre chaque tissu, chaque série, il y a des modèles qui sont présentés. Ce qui fait qu'on a un rythme vraiment sympa et c'est très inspirant. Le magasin, il est à Libourne. Coucou tout le monde. Donc il y a aussi de la laine. Il y a tout ce qu'il faut pour faire du tricot. Il y a Katia, il y a Bergère de France. Et alors, je vais vous montrer un peu la particularité d'Emmanuel Création, c'est cette présentation de tissus. Donc en fait, il y a des pentes de tissus qui sont au mur. Là, vous avez les rouleaux avec les tissus des pentes qui sont ici. Donc on est très cohérent, vous voyez, on les voit en grand ici. Ici, vous avez les rouleaux. Et alors après, il vous propose aussi des produits tout faits. Coucou Christelle, je sais que t'es là, alors arrête de regarder. Non, je suis venue avec Titelcou, mais pas que. Donc, elle est avec moi en magasin. Voilà, je vous montre. Je trouve ça super chouette. Donc, à chaque fois, les tissus, les pentes à côté pour voir ce que ça donne en grand. Et puis, ces petits produits finis.
Alors ici, il y a des coupons de patch. Coucou les filles. Hello, hello. Donc je suis à Libourne, au magasin d'Emmanuel Création. Donc voilà, c'est un magasin qui est magnifique. Non, il n'y a pas de site internet pour commander. Ils ont deux magasins, dont celui-ci qui viennent d'ouvrir. Mais en fait, ils sont vraiment en région bordelaise. Donc pour l'instant, il n'y a pas de site de vente en ligne. Mais s'il y en avait un, je vous le dirai. Je vous préviendrai. Alors, donc là, vous voyez mon chéri. On dit bonjour. Bonjour. Ma titelle. Coucou les filles. Et ma Caro. Et donc là, ce que je voulais vous montrer, en fait, c'est un peu l'emblème d'Emmanuel Création. C'est par ça qu'il a commencé. Donc voilà, c'est son cale-porte en forme de chat, qui est trop, trop beau. Voilà, vous le voyez ici. Et donc, moi, je l'ai rencontré parce qu'il fabriquait justement des cale-portes en forme de chat, comme ça. Et maintenant, il a ses deux magasins de tissus, il a fait beaucoup de chemin. Et il a beaucoup de goût, vous voyez. Tout est super bien présenté. Oui, je sais, c'est dommage que ce soit loin. Je lui dirai, comme ça, peut-être qu'il aura envie d'ouvrir partout en France. En tout cas, c'est un concept assez innovant, hein. Vous voyez, ça va du produit tissu jusqu'au produit fini. Donc même une cliente qui ne coupe pas, elle peut tout à fait craquer et repartir avec des choses. Donc c'est assez dangereux. Là, on a des super lits aussi en présentation. Ouais, c'est un magasin qui est très très bien organisé. Donc il est très bien rangé, mais on est au premier jour. Hein, donc là, c'est la soirée d'inauguration. Demain, il y a l'ouverture officielle. Voilà, donc ça, j'ai craqué sur cette petite palette de sac à main, très bien présentée. Je vous montre. Donc vous voyez, on a des tissus, des jacquards qu'on vend ici au mètre et qui sont là sur des sacs. Donc il y a le Similicure Valentino, il y a plein de tissus, des jacquards de Safeco, vous voyez, des trucs qu'on a au mètre et que là, lui, il vend également en produit fini. Et c'est ça son originalité. Alors, je vous montre les housses de coussin ou les coussins. Et là, en fait, bah voilà, c'est la même chose, hein. C'est inspirant. Si on ne sait pas coudre, on repart avec ce qu'on veut. Regardez. Et s'il n'y a pas, il nous fait sur mesure. Voilà, voilà. Donc, tout est prévu pour qu'on aime un peu l'univers du tissu, en fait. Hein. Qu'on sache coudre ou pas, on peut... Oui, c'est un vrai magasin de déco. En fait, c'est un magasin qui est inspirant, en fait. Voilà, donc moi je trouve ça génial et c'est pour ça que je voulais le partager avec vous. C'est parce que ça change des magasins de tissus ordinaires. Lui, il a réussi à mélanger à la fois ses goûts pour la déco, ses produits finis et le tissu au mètre. Donc en fait, il attire les couturières, mais il attire aussi toutes les femmes qui aiment la déco. Il a aussi ce joli rayon qui est très attirant, donc je vous emmène le voir. Il propose des coupons de 45 par 50. Voilà, pour celles qui font des petites créations, les trousses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, je vous réponds. Voilà, on a également des tissus enduits. Voilà, donc je voulais partager ça avec vous. Il a un magasin aussi à Saint-André-de-Cubzac. Et donc, aujourd'hui, c'est l'inauguration de ce magasin à Libourne. Peut-être que vous passerez par Libourne sur le chemin des vacances. Donc, Emmanuel Création, il est juste là au milieu, avec ses petites lunettes. Et c'est lui qui a l'initiative de ce superbe magasin. Il y a du simili-cuir, il y a plein de choses sympas. Donc ça, c'est le velours palatine, en fait. C'est du velours ras et ça peut servir à faire des sacs aussi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous montre un petit peu tout ce qu'il a.
Et là, c'est super, vous voyez, parce qu'en fait, il a mis tous ses cotons unis, triés à la couleur. C'est hyper clair. Ça fait un très beau visuel. Comme vous voyez, il a un beau rayon aussi, ruban, élastique. Il y a même des planches de découpe rose. Et ça, le rose, ça cartonne. Donc il y a toute la mercerie dont vous pouvez avoir besoin. On a des boutons. Ouais, il est très bien rangé, très bien organisé, il est très bien pensé. Mais Emmanuel a beaucoup de goût, donc... Et là, vous voyez, tout à l'heure, je vous ai montré des sacoches, des sacs. Là, on retrouve les tissus, en fait, qu'il utilise et qui, ici, sont en vente au mètre. Donc, c'est un grand bâtiment, c'est tout neuf. Je dirais qu'il fait 600 mètres carrés à peu près, vous voyez. Voilà, alors là, on est pareil, on est toujours dans l'inspiration avec des rideaux présentés sous forme de pente, en fait, pour se projeter. Et là, on se projette complètement chez soi. Donc, Emmanuel, il est juste derrière, là, vous voyez. Il est en train de renseigner des clientes. Alors, il y a des patrons également. Il y a la maison de Victor. Il y a, il y a également des patrons. Donc, Emmanuel, il est juste ici, vous voyez. Voilà, voilà. Au niveau des patrons, je vous en dirai un peu plus après, parce que là, je les ai pas vus tout de suite, mais il y a tout ce qu'il faut pour coudre et obligé d'y aller faire un tour. Ouais, non, mais c'est clair. Franchement, ça vaut le coup d'être vu, parce qu'en plus, enfin, moi qui ai fait beaucoup de magasins de tissus, j'en visite beaucoup, j'en vois beaucoup, je peux vous assurer que celui-là, il est inspirant au maximum. Et il est fait avec vraiment du bon goût, quoi, vous voyez? Il n'y a aucune fausse note. On est dans la tendance avec des tissus super chouettes. Les palettes utilisées en déco. Une nouvelle création pour fêter ça. Oui, bientôt, bientôt, bientôt. Là, j'ai sorti Mini George, mais promis, dès que je peux, je refais un nouveau patron. J'ai plein d'idées dans la tête. J'ai juste un petit manque de temps actuellement. Mais je vous oublie pas. Et c'est aussi pour ça que je voulais partager ça avec vous. Voilà, donc ça, c'est les produits finis d'Emmanuel Création. Et là, vous avez le coin plus enfant. Et on est dans la logique pareille, donc avec la pente, les pentes de tissu. Ici, vous retrouvez les tissus au mètre. Et derrière, vous avez des exemples de produits finis. Voilà, voilà. Ouais, si un jour vous passez par là, donc c'est à Libourne, c'est dans la zone commerciale. Je vous mettrai toutes les adresses en commentaire, tout ce qu'il faut en commentaire. Donc il y a un truc qui est génial aussi ici et qui montre qu'il est très tendance, vous voyez. C'est ces petits bord-côte lurex. Voilà, donc je vous remonte l'habillement. Oui, ça donne trop envie, c'est clair, effectivement. Donc c'est à Libourne. Je vous mettrai l'adresse juste en dessous. C'est à Libourne. Voilà, voilà. Alors les filles, si vous n'avez pas de questions, je vais vous quitter parce que, en fait, regardez ce qui nous attend. Voilà, il y a même Koé qui est venu. Donc je vais vous laisser. Je vous fais des gros bisous. Je vais juste vous dire que la vidéo, elle pourrait être regardée après, donc n'hésitez pas à la partager. Moi, je vais prendre un petit apéro dînatoire, je pense, voilà. Oui, c'est immense, ça fait 600 mètres carrés. Je vous conseille vraiment de venir. Coucou. Bon, ben, je vous dis au revoir. Je vous fais des gros bisous, j'espère que cette petite visite vous a plu. Et si vous passez par Libourne, n'hésitez pas à vous arrêter. À bientôt les filles, bye bye.